Émile Cioran a dit: la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais est également la mère de toutes les autres. Alors que nous sommes dans l'inquiétude et dans la peine, cette gratitude est aussi l'occasion de nous rappeler ce qui nous unit, ce que fait notre société pour nous. C'est l'occasion de dépasser nos égoïsmes particuliers pour nous souvenir que nous avons un commun à partager. Alors merci à nos soignants, à nos fonctionnaires et particulièrement aux agents communaux, aux héros du quotidien dont le travail est indispensable, femmes de ménage, agents des ordures ménagères, caissières, forces de l'ordre. Merci aussi à chacune et chacun d'entre vous pour votre solidarité, pour ces actions anonymes qui réchauffent le cœur. Merci à tous ceux qui respectent le confinement. Merci à vous qui avez participé à cette vidéo. Ensemble et unis, nous vaincrons cette maladie. Merci à tous les soignants, à tous les docteurs et à toutes les infirmières. Merci. Merci, merci. De tout cœur, merci. Un grand merci, un immense merci. La crèche de Plaine-Cintre souhaite remercier toutes les personnes qui travaillent pour nous en ces temps difficiles de pandémie. On sauve des vies en restant confinés. Bon courage à tous et bon confinement. Ce petit message pour votre engagement et votre professionnalisme. Ne lâchez rien, vous êtes au top. De couleur en remerciement à tous nos héros du quotidien, médecins, infirmières, avec une pensée toute particulière à nos agents de la collectivité de la Plaine Tarentaise. Un grand merci à tous. Plein de merci à tous. Merci, merci. Attention et prenez soin de vous. Bonjour les infirmières, bonjour tout le personnel soignant. On vous offre ces fleurs printanières pour vous dire un grand, grand merci pour votre dévouement, pour tout ce que vous faites pour nous. Un énorme merci à toutes les personnes qui travaillent en ce moment pour nous. Nous n'oublierons pas votre action dès que cette crise sera terminée. Merci encore. Merci à tout le monde. Merci pour nos soignants. Merci pour nos agents.
Merci à tous les commerçants et à toute la population. Mille fois merci à tous ceux qui sont en première ligne, les soignants et tous les autres. Plein de pensées à tous ceux qui sont malades. Une pensée particulière pour mon beau-frère, chef de service de réanimation de l'hôpital de Versailles, qui, avec son équipe, mène un combat permanent. Bravo à tous. Merci. Merci.